Bonjour, moi je m'appelle Gilles, je suis cofondateur et CEO de Lifestorm. Et moi c'est Mickaël, Product Manager de la partie intégration de Lifestorm. Donc Lifestorm, c'est la première plateforme d'engagement vidéo tout en un pour réaliser à la fois webinaire et meeting dans un cadre professionnel. Et on va avoir des industries représentées telles que évidemment le SaaS, la tech, le secteur de la santé, la finance, etc. Et on va avoir différentes audiences à la fois externes et internes. En externe, on va parler davantage à des populations de commerciaux, de marketeurs, surtout de marketeurs en général. Et en interne, on va être plutôt sur des populations type communication interne, RH et toutes sortes de choses, sur des use cases qui peuvent aller de la démonstration, démonstration de produits, formation externe, interne, voire des réunions, tutorat, bref, des board meetings même parfois en interne. Et on a à peu près plusieurs milliers de clients en tout cas à travers le monde. Donc depuis 2016, Lifestorm facilite la collaboration à distance, le télétravail. On participe du coup à cet essor. Pour ça, en fait, le pilier de Lifestorm sont sur finalement trois grands niveaux. Le premier, c'est le fait d'offrir une simplicité d'utilisation, une ergonomie qui est au-delà de ce qu'on peut retrouver. Une solution qui est extrêmement modulaire aussi pour s'adapter à tout un tas de use cases, enfin de cas d'usage. Et le dernier point, c'est d'offrir tout un tas de données, d'analytics pour justement mesurer cette performance dans un cadre de réunion ou de webinaire professionnel. Ce qu'on observe également sur le marché, c'est qu'il y a une hyper fragmentation des solutions de vidéoconférence. On va avoir des concurrents qui sont extrêmement spécialisés sur des cas d'usage, des équipes, enfin des noyaux qui sont très identifiés et qui contribue du coup à avoir une galaxie d'outils, et ça devient pour les entreprises de plus en plus difficile de gérer à la fois tous ces outils à la fois. Ça crée des silos de données, ça crée des silos d'usage. Donc l'idée en fait tout simplement avec Lifestorm, avec une solution d'engagement vidéo tout en un, c'est de rapatrier tous les usages de la vidéoconférence professionnelle dans une seule et même plateforme. Finalement, ça revient un petit peu à faire ce que fait HubSpot, mais pour la vidéoconférence. Au vu des utilisateurs de Lifestorm et de leur cas d'usage, ça a très rapidement semblé pertinent de s'intégrer avec des solutions de marketing automation, des CRM, et au vu de l'écosystème dans lequel on s'est développé, HubSpot semblait le choix évident et le plus pertinent. Donc assez vite en fait, ça a été la première intégration qu'on a développée, et c'est aujourd'hui celle qui est le plus utilisée. Il y a 20% des utilisateurs de Lifestorm qui utilisent l'intégration avec HubSpot. Énormément d'ailleurs de nos clients français l'utilisent aussi. Et effectivement, il y a une très bonne synergie entre les deux, avec la possibilité du coup d'envoyer des contacts pour s'inscrire sur des événements, donc via des formulaires par exemple, de HubSpot vers Lifestorm, la possibilité de remonter toutes les données d'engagement, aussi les données qu'on collecte lors des formulaires d'inscription, etc., vers HubSpot, et ensuite de les utiliser donc dans des workflows, etc. Donc il y a vraiment cette expertise de la visioconférence et cette expertise du marketing qui font de ce partenariat vraiment une évidence pour nous en fait. Ce qui nous plaît chez HubSpot, c'est vraiment qu'on partage cette vision d'avoir une plateforme simple, intuitive et qui centralise tous les cas d'usage. Et ça complète très bien Lifestorm parce que ça permet vraiment de tirer au mieux parti des événements qu'on organise et justement de rendre actionnables toutes les données qu'on peut collecter sur Lifestorm. Et c'est vraiment ça qui plaît à nos utilisateurs. Puis il y a cette flexibilité aussi dans HubSpot sur par exemple les workflows. On peut avoir des choses aussi très avancées, ce qui permet finalement de, lorsqu'on a des leads par exemple qui sont assez qualifiés parce qu'on a fait ce fameux webinar, les mecs étaient engagés, de pouvoir finalement les envoyer dans un workflow HubSpot, d'avoir une précision sur comment on va ensuite les retargeter, sur comment on va les activer au travers à la fois des données HubSpot mais aussi au travers des données que Lifestorm aura envoyées à HubSpot. Et du coup ça commence à faire des choses très intéressantes en termes de d'activation de ces leads a fortiori quoi. Et en termes de la modernité de l'outil et de l'écosystème qu'on construit en fait autour de Lifestorm aussi, c'est tout à fait pertinent et cohérent avec la manière dont nous aussi on construit notre outil. Et puis l'API aussi, on n'a pas parlé de l'API, mais effectivement l'API qui vient autour aussi permet d'avoir une flexibilité sur comment on peut développer cette intégration. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités.
nativement ou plein par de façon détournée. En tout cas, l'API est suffisamment complète pour qu'on puisse faire des choses, en tout cas, hyper intéressantes entre deux softwares. Donc voilà, toute la partie aussi de développeur expérience était assez intéressante. L'intégration vraiment la plus complète qu'on va pouvoir créer entre Livestorm et HubSpot, c'est d'avoir sa landing page HubSpot avec son formulaire pour présenter son événement. Les gens vont pouvoir directement s'inscrire via cette landing page et toutes les données vont être envoyées sur Livestorm qui ensuite peut gérer justement tous les mails de rappel autour de l'événement, avoir un certain nombre d'automatisations et d'outils d'engagement pendant l'événement. Et ensuite, donc, toutes ces données vont être remontées sur HubSpot, ce qui va permettre ensuite d'enclencher des workflows pour, par exemple, recontacter ceux qui ont répondu à une question disant « bah oui, votre produit m'intéresse, il y a telle feature qui me plaisait plus » ou alors contacter en priorité ceux qui justement ont été engagés dans l'événement, ont posé des questions, ont envoyé des messages, etc. Et ça permet d'avoir vraiment ce truc à 360 finalement, on part de HubSpot, on va dans l'histoire, mais on revient sur HubSpot, ça fait vraiment la boucle est bouclée, donc ça c'est plutôt cool. Question en fait suite dire à laquelle je pensais, je pense que toi qui as la réponse, c'est de savoir finalement combien de temps tu mets pour mettre en place ce truc-là de bout en bout, si demain tu dois le faire de zéro par exemple. Ouais. L'intégration qu'on a avec HubSpot, elle est vraiment native, donc elle est très rapide à setup. Il suffit de connecter son compte HubSpot dans Livestorm et c'est directement utilisable. Okay. Donc on parle vraiment d'un setup qui va prendre de 2 à 3 minutes pour vraiment envoyer les données de Livestorm à HubSpot. Après, pour mettre en place tout ce qui est les formulaires et tous les workflows d'automatisation, là, ça, on parle de peut-être... au pied du tuner, mais c'est vraiment très rapide. Parce qu'on a justement des actions Livestorm disponibles directement dans les workflows HubSpot qui sont déjà préfaites et qui demandent très peu de setup. Ok, cool. Vous pouvez du coup retrouver Livestorm sur livestorm.co.co. Bien évidemment, vous pouvez nous contacter toute la boîte, enfin les équipes sales, les équipes support, exactement tout le monde, a priori derrière hello, comme en anglais, @livestorm.co. Il y a également le support avec toute la documentation, dont celle d'HubSpot également, donc son support.livestorm.co. Vous pouvez démarrer un trial, donc un essai gratuitement, en vous créant un compte gratuitement sur Livestorm, sans aucun engagement, sans rien. Donc vous pouvez vraiment tester le produit très rapidement. Et puis, du coup, nous, comment on te contacte si on a des questions sur les intégrations? Vous pouvez nous contacter sur l'adresse integrations@livestorm.co si vous avez justement des questions techniques sur comment pousser l'intégration encore plus loin. Vous pouvez aussi, si vous avez envie d'encore plus sur cette intégration, proposer vos idées sur notre portail IDs, livestorm.co. Exactement, voilà. Merci.